Cela fait un peu plus d'une semaine que le story trailer d'Elden Ring est sorti. Le temps est passé depuis et la vague des premières impressions est terminée. Il est donc temps de faire un condensé des principales informations qui sont ressorties de cette nouvelle bande-annonce. Comme pour le précédent trailer, cette vidéo va s'appuyer sur ma propre analyse et celle de toute la communauté anglophone, dont vous retrouverez les principaux liens en description. Une fois que nous aurons fait le tour, je vous réserve une dernière partie un peu plus théorique et beaucoup plus personnelle sur le sujet. Sur ce, commençons. Ce story trailer se compose de trois parties bien distinctes, mais complémentaires, chacune étant la conséquence de la précédente. Je vais m'attarder en premier lieu sur celle qui concerne Mikaela. Si vous reprenez d'abord les éléments fournis lors du précédent trailer, nous savons que nous allons devoir marcher sur les pas de Mikaela à travers ce nouveau territoire. Notamment en suivant littéralement ses traces et les différentes balises qu'il semble avoir laissées derrière lui. Une balise qui pourrait représenter sa propre rune, qui coïnciderait dans sa forme avec celle de sa sœur Malenia. Et également et toujours la fameuse rune majeure de l'enfant à naître conservée dans l'œuf d'ambre de Rennala. Ces balises me laissent imaginer que nous aurons accès, d'une manière ou d'une autre, à des sortes de souvenirs de Mikaela. Ça serait le moyen le plus simple pour nous de comprendre petit à petit son but et sa psychologie. Et sur cette logique, je le vois très bien comme Gaël dans Dark Souls 3, dont on suit les traces jusqu'au dénouement final. Je ne vais pas en dire plus pour ceux n'ayant pas fait le jeu, pour les autres je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. Notre propre mission est ainsi de découvrir pourquoi Mikaela s'est exilée dans le royaume des ombres et ce qu'il fait concrètement là-bas. Nous avons tout de même déjà quelques idées à ce sujet. Premièrement, Mikaela œuvre activement pour retrouver l'âme de Godwin. Il a tenté de provoquer une éclipse dans l'entre-terre afin d'y parvenir, même si nous ne savons pas encore ce que cela implique réellement. Mais ce fut en tout cas un échec. Du coup, il est peut-être dans ce royaume des ombres à la recherche d'une alternative pour y parvenir, ou bien il cherche directement l'âme même de Godwin. Deuxièmement, si on se réfère à la page web de Bandai Namco, nous savons que Mikaela attend aujourd'hui le retour du seigneur qui lui fut promis. Ce qui peut être lié au point précédent, Mikaela chercherait éventuellement à ramener Godwin pour s'unir à lui. Évidemment, cela peut aussi cibler Mesmer, ou nous-mêmes, ou n'importe qui que nous ne connaissons pas encore. Quoi que son but puisse être, nous ne sommes en tout cas pas les seuls à nous intéresser à Mikaela. Nous croiserons plusieurs personnages dans le monde qui suivent aussi le chemin emprunté par celui-ci. Tout d'abord montrés indépendamment les uns des autres, avec des profils divers et variés, les différents personnages du premier trailer forment finalement une troupe d'aventuriers qui sont cette fois regroupés. Dites-moi d'ailleurs si je me trompe, mais il me semble que seul le personnage du fond nous semble encore totalement inconnu. À leur tête, il se pourrait que ça soit une jeune femme, et peut-être même la narratrice de ce story trailer. On peut le déduire simplement par cette phrase finale où elle demande aux joueurs de les accompagner. Ce qui pourrait venir directement de la personne qui mène justement ce groupe. Pour autant, bien que celle-ci nous invite donc amicalement à les suivre, nous savons par Miyazaki lui-même que les personnages rencontrés dans le royaume des ombres seront autant des amis que de potentiels ennemis. Un fait qui ne surprend pas vraiment. Mais il faut donc rester sur ses gardes, notamment car nous ne connaissons pas vraiment encore l'objectif principal de cette troupe, mis à part suivre les traces de Mikaela. Et de surcroît, nous ne connaissons pas surtout le but personnel et propre de chacun. Connaissant les habitudes de From Software concernant ces PNJ, vous vous doutez bien que cette petite troupe risque bien d'éclater de l'intérieur. Une partie finira sans doute folle, une autre n'hésitera pas à trahir, d'autres se sacrifieront, et si des survivants il y a, ils se feront de toute façon éliminer par le joueur afin de récupérer leurs armures et leurs armes. Ainsi est malheureusement la destinée attendue d'un PNJ dans un jeu From Software. Cette troupe semble donc suivre aveuglément Mikaela. L'ambiance est très révérencieuse et ce sont clairement des partisans du jeune empyréen. La principale question étant de savoir s'ils réalisent vraiment cette quête de leur plein gré ou non. Nous connaissons en effet déjà un peu Mikaela à travers ses différents agissements et la façon dont il est constamment mentionné et décrit. Il n'est que pureté, bienveillance et il est même ici qualifié de clément. Mikaela, c'est celui qui donne son amour sans distinction, qui protège les opprimés et pardonne sans concession. Ceci est très bien représenté par son arbre sacré qui est un lieu où sont recueillies toutes les créatures opprimées par l'ordre d'or. Il est aussi celui qui cherche par tous les moyens à soigner sa sœur Malenia, au point de créer des éléments en or pur pour contenir l'influence de la putréfaction écarlate. Mais c'est aussi à l'opposé celui que Malenia elle-même considère comme le plus terrible des empyréens.
celui qui possède des capacités que le narrateur du précédent trailer qualifie de terrifiantes. Car cette bienveillance, qui semble bien réelle, se fait envers et contre tout. Michaela possède en effet des facultés avérées d'envoûtement. Il peut forcer les gens à l'aimer ou les formater à sa convenance, bien qu'on ne sache pas vraiment s'il fait ça consciemment. Et c'est pour cela qu'il est perçu comme quelqu'un de terrible. Il peut vous retirer votre libre arbitre sous prétexte de faire le bien en retour. Ainsi, nous sommes en droit de nous questionner sur les réelles motivations de cette troupe d'aventuriers qui pourrait très bien être manipulée, et cela sans même le savoir. J'oserais même aller plus loin en conseillant aux joueurs même de se méfier de Michaela, car il n'y a aucune raison que l'on échappe nous-mêmes à cette aura envoûtante. Pour autant, je me demande aussi à l'inverse s'il possède toujours un quelconque pouvoir. Aujourd'hui, Michaela n'est plus qu'un esprit. Il est dit qu'il s'est départi de sa chair dorée relative à sa lignée et de sa puissance aveuglante en lien avec sa force de demi-dieu. Et je ne sais pas si ce dernier point implique aussi qu'il ait perdu ses capacités d'envoûtement. Mais cela montre tout de même le degré de volonté de Michaela, qui a totalement accepté de se sacrifier pour une cause que nous découvrirons très bientôt. Ce qui suggère que sa mission est extrêmement importante et peut-être bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Il est même dit qu'il a abandonné son propre destin, qui pour moi se réfère directement à son statut d'empyréen. Le youtubeur GamePlus a d'ailleurs sorti très récemment une vidéo sur le sujet, où il explique que le destin de Michaela a été abandonné depuis bien longtemps déjà, et que nous pouvons trouver ce fameux destin physiquement en tant qu'objet dans l'entre-terre. Je vous mets le lien en description, c'est vraiment une superbe analyse de sa part, et qui traite aussi de la question de Sainte Trina, que nous allons maintenant évoquer de notre côté. En effet, le plus frappant pour nous, c'est que l'évocation de ce destin abandonné semble ici étroitement rattachée à un autre personnage qui chute inexorablement. Une jeune fille que l'on imagine donc sans aucun doute possible être Sainte Trina. Miyazaki avait d'ailleurs révélé quelques jours avant ce story trailer que nous la verrions bien dans le DLC. Nous soupçonnions depuis un moment que Michaela et cette dernière seraient la même et unique personne, celle-ci étant liée au sommeil dans Elden Ring. En effet, chacun d'eux est rattaché à une fleur de lys, et celle de Sainte Trina permet de créer les fameuses branches envoûtantes, elles-mêmes liées à Michaela. En outre, l'épée en argent de Sainte Trina, portée par son propre ordre religieux, nous révèle que certains la voyaient comme une jeune fille et d'autres comme un garçon. Il est même fait mention d'une forme adulte sur sa torche. Mais dans tous les cas, elle aurait disparu aussi vite qu'elle serait apparue. Une autre allusion figure dans un manuel de Craft, qui dit qu'un homme était captivé par Sainte Trina, et qu'il la cherchait dans ses songes. J'imagine donc que celle-ci n'a jamais existé physiquement, elle serait plus une présence réconfortante lorsque l'on dort, et qui apparaît durant les rêves et qui disparaît une fois éveillée. D'où ce sentiment d'apparition fugace. On peut donc conjecturer qu'elle était à l'origine uniquement une manifestation spirituelle de Michaela. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'elle se soit dissociée de ce dernier lorsqu'il a abandonné son corps. Deux esprits séparés pour, j'imagine, deux rencontres indépendantes l'une de l'autre. D'ailleurs, une petite parenthèse, je me demande si Michaela a conscience qu'il n'est actuellement plus physiquement dans son arbre sacré. Bien sûr, il y a cette théorie qu'il aurait manigancé son propre enlèvement et envoûté Mog pour cela. Mais si ce n'était pas le cas, peut-être que Michaela se pense encore en train d'alimenter l'arbre sacré. Et qu'il cherche un moyen d'impacter encore plus cette croissance. Peut-être en copiant le procédé qui a permis autrefois à l'arbre-monde de naître et de grandir. Ce qui nous amène à la scène d'ouverture de ce story trailer. Premier point très important à souligner, ce que nous voyons est la retranscription visuelle de ce que Michaela a confié à la narratrice. Ce qui de suite doit nous interpeller. Ce que nous voyons n'est pas forcément identique en tout point à la réalité. Il faut aussi se questionner sur comment Michaela lui-même a entendu parler de toute cette histoire. Faute de réponse, passons pour le moment ces quelques questions existentielles. La narratrice débute en évoquant un commencement par la séduction puis une trahison. Les deux concepts semblent étroitement liés, l'un étant suivi de l'autre, c'est une conséquence directe. Elle poursuit en mentionnant la naissance de l'or suite à cette mystérieuse séduction puis trahison. Cet or fut rejoint par la suite par l'ombre, ou plutôt il semble apparaître au même moment. Il a été relevé par le youtubeur Zeif que la naissance de l'or pouvait aussi être traduit à partir du japonais par la naissance de l'arbre-monde. Les deux mots sont en effet interchangeables. Ainsi, comme naturellement supposé, nous voyons donc bien le moment de la naissance de l'arbre-monde. Ou plutôt, nous assistons au procédé qui donnera l'arbre-monde que nous connaissons aujourd'hui.
En conséquence, la notion d'ombre évoquée en opposition à l'or concernerait, j'imagine, tout simplement l'arbre noirci du royaume des ombres. Pour en revenir à la narratrice, ces quelques mots que nous venons de voir sont tout d'abord accompagnés à l'écran d'une main récupérant des sortes de fils visqueux à l'intérieur d'un contenant qui semble organique. Pour autant, nous voyons clairement des coutures ici, ce qui renvoie plus à un sac ou un vêtement, mais dissimulant bien quelque chose de mystérieux dans tous les cas. Cette étrange personne marche ensuite pieds nus à travers un tas de cadavres et semble finalement lier les fils qu'elle a récupérés à deux immenses amas de corps, formant une sorte d'ouverture sur un autre monde. De cette même ouverture s'échappe ensuite un violent souffle puis un cri. Évidemment, tout le monde s'accorde sur le fait que la personne que l'on voit ici est Marika, à une lointaine époque et bien plus jeune. Nous retrouvons sa longue chevelure blonde typique qui sera par la suite nouée en deux tresses, ainsi que les bracelets serpentins qu'elle porte aussi dans la scène d'introduction du jeu, sans oublier ses bracelets de bras. Il n'y a donc pas vraiment de doute possible sur son identité. Néanmoins, on ne peut pas passer à côté du fait que Marika a ici une morphologie typiquement masculine. Sa carrure est assez flagrante. Certes, elle aurait très bien pu avoir ce corps plus jeune, et une femme a totalement le droit d'être musclée, mais le souci c'est que cela n'est pas cohérent avec la façon dont elle nous a toujours été représentée. Nous l'avons toujours vue avec des proportions bien plus fines et avec des courbes féminines. Une distinction d'ailleurs nécessaire pour bien la différencier de son alter ego masculin Radagon, avec qui elle partage le même corps. Qui plus est, cette Marika que nous voyons n'a aucun vêtement qui cache le haut de son corps, ce qui est assez déroutant. Et vous n'avez par ailleurs aucune poitrine suggérée malgré l'angle évident de la caméra. Ces différents éléments sont à mes yeux plus que significatifs. Ce que nous voyons est un corps d'homme. Naturellement, sur cette idée, nous pouvons imaginer que ce serait du coup Radagon que l'on voit ici. C'est donc là que nous devons analyser la couleur des cheveux. Si vous regardez à la base des racines, vous obtenez ce qui semble être des tons blonds. Si vous reculez jusqu'aux pointes, vous partez dans le rouge. Mais ceci s'explique naturellement par la présence d'une lumière claire et jaune de face et d'une atmosphère beaucoup plus sombre et rougeoyante de dos. Le doute persiste donc jusqu'au bout. Dans le cadre d'une première approche, nous n'allons faire aucune conclusion trop hâtive. Je vais rester sur l'idée que c'est bien Marika et j'apporterai, comme je l'ai dit en fin de vidéo, une vision un peu plus personnelle de tout ceci. Tout autour de Marika, vous avez un environnement extrêmement sombre, glauque et dérangeant. C'est quelque chose qui tranche totalement avec tout ce que l'on connaît d'Elden Ring. Et c'est sûrement l'une des scènes d'ouverture les plus marquantes qu'il m'ait été donné de voir. Ces piles de corps de part et d'autre forment donc ce qui s'apparente à une porte. Et il me paraît clair que cette opposition entre le crépuscule et l'aurore marque la séparation entre deux mondes. Marika est alors située à la frontière, du côté du monde crépusculaire. Mais à quoi renvoient du coup ces deux univers opposés ? J'ai entendu que le monde ensoleillé était l'entre-terre et que le monde sombre violacé était le royaume des ombres. Le principal souci avec cette idée, c'est que tout montre que l'entre-terre que nous connaissons aujourd'hui et le royaume des ombres étaient liés auparavant, sous la forme d'un même et unique territoire physique. Cela se justifie notamment par les traces de civilisations communes et par l'idée que Marika a dissimulé ce royaume des ombres. Et évidemment, il y a aussi cet emplacement vide en plein milieu de la carte que l'on soupçonne être anciennement ce royaume caché. Donc il n'y aurait aucune raison d'avoir une porte menant à l'intérieur d'un même territoire auparavant unifié. Que l'on valide ces hypothèses ou non, j'ai me concernant une idée assez arrêtée sur la question. Ce monde ensoleillé est pour moi celui où l'on combat la bête d'Elden. On ne peut pas faire plus ressemblant en fait. Et cela expliquerait par ailleurs pourquoi on entend justement son thème durant toute cette scène d'introduction. Ainsi, vous auriez des cadavres qui formeraient un portail menant vers un royaume divin ou céleste. Je vous avoue qu'avec ce visuel et le contexte, j'ai vraiment cette impression qu'il pourrait bien y avoir le concept d'empyré dans Elden Ring. J'en ai rapidement parlé dans la vidéo sur les empyréens en me demandant justement si cette notion allait vraiment figurer dans le jeu. Pour en reprendre les grandes lignes, dans l'Antiquité, on pensait que la Terre était au centre du monde et que le Soleil, la Lune et les planètes gravitaient autour, ainsi que le ciel étoilé. Cela prenait la forme d'un univers sphérique, contenant ainsi plusieurs couches correspondant chacune à une planète, le tout formant les différents domaines du paradis. C'est en traversant ces différentes strates que l'on accédait enfin à l'Empyrée, c'est-à-dire la partie la plus élevée du ciel, au-delà même des étoiles, là où séjournait le dieu créateur.
Vous avez donc cette idée d'ascension vers un statut divin, qui est exactement ce que Marika est en train de réaliser ici, physiquement et symboliquement. On le sait en effet, la naissance de l'arbre-monde s'est accompagnée de l'ascension de Marika à la divinité. Ce sont deux événements qui sont intrinsèquement liés. Pour poursuivre sur cette lancée, Marika était donc à l'origine une empyréenne, c'est-à-dire une candidate, encore une fois, à cette divinité. Mais c'était aussi le cas de la reine aux yeux crépusculaires. À la vue de ce monde violacé, on pourrait très bien imaginer que ça serait elle qui serait la dirigeante du monde à ce moment-là, prête à endosser son rôle divin. Marika l'aurait alors supplantée. Ce qui expliquerait d'ailleurs son statut de reine, dont le nom aurait été par la suite volontairement oublié et même supprimé de l'histoire. Nous pouvons renforcer un peu plus cette idée en nous attardant sur les cadavres qui composent cette porte, mais qui jonchent aussi le sol. Ils semblent ne plus posséder leur peau, une pratique que l'on connaît notamment de la part des apôtres et nobles sanctochères, ceux-là même qui sont considérés comme les enfants de la reine aux yeux crépusculaires. Ils auraient pu ainsi, sous ses ordres, écorcher tous ces corps puis les empiler afin de créer ce portail menant vers un monde céleste. Retirer la peau pourrait permettre à ce tout de former un amas de chair compact. C'est peut-être aussi à considérer comme un énorme sacrifice humain, dans le sens d'un sombre rituel. Je voudrais d'ailleurs pointer du doigt que tous ces corps me rappellent énormément les cadavres qui jonchent actuellement les abords de l'Ainsel. J'avais émis l'idée que c'étaient les dépouilles d'Enox durant leur fuite depuis la ville éternelle sans nom qui a été détruite par Astel. Mais il faut bien avouer que nous avons là une quantité phénoménale de corps en décomposition qui justement ne semblent plus avoir leur peau. Je ne sais pas du tout s'il y a un quelconque lien, mais je tenais à vous faire remarquer ce petit détail. Revenons spécifiquement sur les piles de corps. Tout le monde s'accorde à dire que cela forme la base d'un arbre, ce qui est une perception totalement vraie et qui a du sens puisque l'on sait maintenant que l'on assiste à la naissance de l'arbre-monde. Pour aller encore plus loin, j'ai même envie de vous dire que ça serait potentiellement l'entrée que l'on connaît à Laindel. Entre le visuel même qui y fait fortement référence et cette volée de marche empruntée juste avant par Marika, c'est quand même extrêmement ressemblant et même des plus troublants. Mais cela reste une pure hypothèse, évidemment. Nous aurions donc un tronc fait à partir de cadavres qui donnera plus tard l'arbre-monde. Une idée qui fait encore une fois écho à de nombreuses choses que nous connaissons déjà aujourd'hui. La première, nous savons que dans Elden Ring, les arbres sont nourris et alimentés par les cadavres et le sang. Par exemple, les défunts étaient, à une époque, déposés aux racines de l'arbre-monde, dans un but de future renaissance. C'est notamment pour cela que nous trouvons autant de catacombes près de ces dites racines. L'arbre-monde assimilait ses corps comme une source d'énergie vitale, un procédé qui viendrait peut-être du coup de la façon dont il serait né. Nous avons également l'arbre sacré de Mikaela qui a poussé grâce au propre sang de celui-ci. Sur la même idée, vous avez le bourgeon sacramentel, que l'on dit né il y a longtemps d'une souche de bourgeons cultivés avec du jeune sang. Plus globalement, nous avons plusieurs évocations de végétation poussant à partir de corps, et toujours très étroitement connectées à l'influence des divinités extérieures. Vous avez des roses qui poussent à partir du sang, sous l'influence de la mère informe. Vous avez des plantes qui poussent à partir de cadavres, sous l'influence de la divinité de la putréfaction. Vous avez même des fleurs qui émergent des cornes d'animaux, dans le culte des adeptes ancestraux, sûrement sous l'influence d'une autre divinité inconnue. Nous pouvons aussi citer les gardiens de l'arbre-monde qui, avec le temps, bourgeonnent littéralement. Même l'influence de la flamme du chaos peut se trouver à l'intérieur des plantes, dont on ignore ici comment elles ont poussé. Les corps mêmes sont littéralement une ressource qui permet la croissance. C'est donc une énergie vitale dont la particularité serait sa teinte rouge. Et cela entre énormément en résonance avec l'essence primitive du creuset primordial. Premièrement, nous savons qu'il existe un lien direct entre celui-ci et l'arbre-monde. En effet, il est dit qu'il est né à partir de l'énergie du creuset primordial. Si vous mettez cette information en parallèle de ce que l'on voit dans ce trailer et le fait que l'arbre-monde va sans doute pousser grâce aux corps qui sont présents ici, alors vous voyez le lien très concret entre les deux. L'essence primitive du creuset primordial, qui est à de multiples reprises imagée par une couleur pourpre, serait la force vitale de différents cadavres. Le creuset est aussi associé à l'idée d'une forme chaotique qui prendrait l'apparence de la lance de Siluria ou bien du home des chevaliers du creuset. On imagine ainsi que des corps ont servi de source d'énergie pour l'arbre-monde, mais aussi pour une immense flore chaotique en parallèle. Ce qui pourrait expliquer que nous voyons à plusieurs reprises dans les deux trailers des racines qui ressortent de toutes parts à la surface.
Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que sont ces fils que Marika récupère et surtout, que fait-elle avec ? C'est sûrement là la partie la plus compliquée à analyser et à comprendre. Ce que nous savons déjà, c'est qu'il semblerait que nous ayons déjà vu ces fils auparavant, notamment dans la première bande-annonce d'Elden Ring lors de l'E3 de 2019. Marika brise le cercle d'Elden et des filaments semblent s'en échapper et se lier à son marteau. Sur cette idée, ces fils seraient le matériau composant le cercle d'Elden, son essence même. Du coup, Marika serait peut-être en train de créer le cercle d'Elden, ou juste éventuellement sa propre rune, la forme de son corps et des fils étant quelque peu explicite. Ou bien elle forme l'arc inférieur qui possède cette même structure. Vous l'aurez compris, je pense, on ne sait juste pas ce qu'elle est en train de faire. Certes, on imagine que ces fils insufflent le concept d'or dans ces deux piles de cadavres, peut-être même la grâce même, ce qui permettra de faire pousser sur cette base morbide un immense arbre doré. Mais concrètement, pourquoi lier ces filaments de cette façon ? Et comment arrive-t-elle à faire ça avec ce qui s'apparente à l'origine à une simple poignée de fils très courts ? Et puis pourquoi les serrer de cette façon au milieu ? Pourquoi face à un portail céleste d'où s'échappe finalement un souffle puis un cri ? Bien sûr, on peut imaginer que l'on entend la bête d'Elden. C'est possible et cohérent avec tout ce qui a été dit jusque-là. On peut même pousser la réflexion et dire que ces étranges fils sont aussi l'élément qui la compose elle-même. Mais dans un contexte plus global, c'est très compliqué de donner un sens concret à tout ça. Si nous reprenons les éléments que nous connaissons, nous savons que le cercle d'Elden aujourd'hui est porté par Marika dans son propre corps, et qu'il est aussi la bête d'Elden. C'est mentionné sur son souvenir et son incantation, mais nous pouvons en effet la voir s'échapper de son corps et apparaître pleinement une fois que le cercle d'Elden disparaît durant le combat final. Ce qui pourrait d'ailleurs donner l'impression que la bête d'Elden n'est pas un parasite, mais bel et bien enfermée contre son gré dans le corps même de Marika. Ainsi, puisque tout n'est qu'un cycle dans Elden Ring, il est possible que Marika récupère dans ce trailer des fils et donc une partie du cercle d'Elden dans le corps même de celle qui l'a précédé. On rappelle en effet que normalement, Placidus Axe est le premier seigneur d'Elden, qu'un cercle existait déjà à son époque et qu'il avait forcément donc du coup une épouse divine. Mais c'est une idée comme une autre, personnellement je ne tranche sur rien de précis. C'est bien trop abstrait en l'état pour imaginer une théorie qui soit plus viable qu'une autre. Quoi qu'il en soit, la naissance de l'arbre-monde et l'ascension de Marika à la divinité sont accompagnées d'une guerre, ou plutôt ce qui a été nommé une purge. De ce que nous voyons et avec les propos même de la narratrice, il est en effet question d'éradiquer toute une population d'une ville, et peut-être même plus encore, avec pour objectif, semble-t-il, de cacher ce que Marika aurait fait. Une guerre qui ne serait jamais ni narrée ni chantée, car il n'y a eu aucun héroïsme, honneur ou courage dans cet acte. C'est tout bonnement un génocide. Vous pouvez voir qu'il y a quand même eu une forme de résistance, venant des fameux lions dansants que l'on a pu voir dans le premier trailer. Loin d'être unique donc, il confirme bien l'idée que nous sommes ici à une époque qui correspond au creuset primordial, puisque rattaché à ses différents aspects, notamment les cornes typiques des réprouvés. Nous savons par Miyazaki qu'avant l'arbre-monde, il y avait dans ce royaume des coutumes et des traditions qui nous sont aujourd'hui inconnues. En d'autres termes, tout ce qui se rapporte à une civilisation développée, que nous avons d'ailleurs déjà pu apercevoir à de nombreuses reprises dans le précédent trailer. Cette ville en flammes pourrait donc être leur ancienne capitale, surtout en étant positionnée aussi près de cet arbre géant noirci. Un arbre qui a la particularité d'être parcouru par un flux d'énergie dorée, se terminant par ce qui ressemble assurément à la rune de Marika. Et le tout me paraît très filaire, tout comme ce que Marika aurait récupéré auparavant. Mais encore une fois, impossible d'interpréter réellement tout ceci. Mis à part que ce flux ne semble pas forcément couler comme je l'imaginais de prime abord. Mais rien n'est vraiment certain. Vous noterez par ailleurs qu'à la fin du précédent trailer, nous pouvons voir que ce flux d'énergie a disparu, avec Mikaela qui semble directement liée à ce phénomène. Pour en revenir à cette ville en flammes, cette vue sur les murailles m'a assurément fait penser à Leyndell, et j'ai pu voir récemment que d'autres avaient aussi eu cette même forte impression. J'ai été sur place pour vérifier l'architecture. Au niveau des bâtiments, c'est impossible de comparer clairement car les flammes sont trop présentes, et de toute façon, cette partie de la ville ne doit même plus exister à l'heure actuelle. En revanche, du côté des remparts, nous pouvons clairement voir que ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour autant, j'ai l'intime conviction que c'est bien Leyndell, pour être plus précis, l'ancienne Leyndell.
Surtout si on reste sur l'idée que la scène d'ouverture se passe bien dans les hauteurs de celle-ci, au niveau de l'entrée de l'Arbre-Monde. L'explication la plus simple serait que ce que l'on voit dans le trailer serait la partie opposée, du côté de la mer actuellement, ce qui aurait alors donné une cité initialement circulaire. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a toujours ce morceau de pont brisé menant nulle part qui n'a toujours aucune explication à l'heure actuelle. On peut aussi imaginer que cette zone en flamme correspond à la partie inondée de la ville, même si j'émets une très grande réserve sur cette idée. Et si vous pensez comme moi qu'il y aurait un potentiel lien avec les cendres présentes à Leyndell, sachez qu'il y a très peu de chances que tout ceci soit lié. On en retrouve dans les parties les plus hautes de la ville, une zone qui, pour moi, a existé bien après tous ces événements. Quoi qu'il en soit, un élément extrêmement important, nous pouvons déjà voir dans le plan final les fameuses tentures qui cachent ce royaume des ombres. Ce qui voudrait donc dire que ce territoire était déjà dissimulé au moment de cette purge. Mais on peut aussi l'interpréter légèrement différemment. Dans ma logique déjà, ça n'aurait pas trop de sens de purger une population qui, dans tous les cas, va être cachée au reste du monde. Je pense que nous sommes plutôt au moment où ce royaume des ombres est en train d'être dissimulé. Vous l'aurez remarqué, la ville semble se déstructurer et remonter dans les airs. Ce n'est pas quelque chose de très habituel et encore moins naturel. J'imagine à la vue de ce phénomène que peut-être cela renforce la puissance du voile qui est au-dessus de la ville et même du territoire tout court. C'est vraiment une idée comme ça, mais cela pourrait aller de pair avec une autre théorie que j'ai vue passer. Il a été imaginé que les différentes tentures constituant ce baldaquin géant pourraient rejoindre chaque tour divine. Et quelqu'un a justement remarqué qu'au sein de ces tours, vous avez des sortes d'effluves noires dont on ne connaît pas la provenance. Il se pourrait donc que ce phénomène soit directement en rapport avec ce voile. Sur la logique inverse, on peut donc imaginer que c'est le même genre de procédé qui s'opère avec la structure de la ville. Ces morceaux deviennent les fragments noirs du voile. Cette purge fait donc directement suite aux agissements de Marika dans la première partie du trailer. Mais je pense quand même qu'un certain temps s'est écoulé entre ces deux événements. Notamment avec cet arbre qui, j'imagine, a poussé entre-temps, et puis surtout avec la présence de Mesmer. On ne le présente plus vraiment, Mesmer est le principal antagoniste de ce DLC. Pour rappel tout de même, il est à mettre au même niveau que les autres demi-dieux que nous connaissons. Miyazaki avait en effet souligné dans sa précédente interview que le siège sur lequel on peut le voir assis est le même que tous ceux que l'on peut voir durant notre combat contre Morgoth, destiné donc aux enfants de Marika, ce qui ferait de Mesmer son enfant également. Ceci peut se confirmer avec la statue que l'on aperçoit derrière lui dans le précédent trailer. Une femme portant un nourrisson, avec un bracelet au bras et une tresse qui correspondent aux représentations connues de Marika. Et à la vue de sa chevelure rougeoyante, on pense également que son père serait donc Radagon. Mesmer possède plusieurs particularités. La première, c'est qu'il porte de nombreux attributs qui sont aujourd'hui considérés comme contraires au culte de l'Arbre-Monde, voire même carrément blasphématoires. On citera évidemment les deux serpents aux ailes draconiques qui sortent de son corps, une symbolique reprise sur son casque même, mais aussi sa pupille fendue en plein cœur d'un œil jaune. Ce regard des plus reptiliens fait fortement écho à celui des dragons, et on imagine qu'il pourrait avoir participé à la communion draconique puisque nous pouvons nous-mêmes arborer un tel regard en consommant des cœurs de dragons. Il est à noter que son autre œil est fermé. C'est quelque chose qui à mes yeux se rapporte beaucoup au statut d'empyréen. Rani, Melina et sûrement aussi Mikaela, l'œil fermé est un concept qui nous sera peut-être enfin pleinement expliqué dans le DLC. Autre point le concernant, il est surnommé l'Empaleur, et je pense que ce titre est parfaitement illustré par la scène finale de cette bataille, où l'on peut voir les lions dansants empalés sur d'immenses lances, mais aussi d'autres personnes qui semblent beaucoup plus humaines. S'il est l'acteur principal du génocide visible dans ce trailer, il y a de fortes suspicions que ça soit aussi lui qui soit à l'origine de l'empalement des géants de feu dans la région des cimes des géants. Ce n'est pour le moment qu'une théorie, mais qui pourrait permettre de mieux situer Mesmer et le royaume des ombres dans la chronologie même d'Elden Ring. Dans les deux cas, il serait directement aux ordres de Marika. Du moins, il semble effectuer cette purge pour cacher les agissements de celle-ci. Il est également possible qu'elle les trahit par la suite, ce qui expliquerait cette aversion profonde et culturelle envers le serpent dans l'entre-terre dès l'époque de Godfrey. Même si j'imagine une origine bien plus complexe que cela. C'est donc lui qui mène l'assaut sur cette ville en proie aux flammes, à la tête d'une armée à la discipline de fer et au sang-froid exemplaire.
mais aussi celui qui contrôle les fameux paniers enflammés, décrits par Miyazaki comme de terribles armes qui ont été utilisées lors de cette bataille oubliée. Une guerre étroitement rattachée à la mystérieuse flamme que brandit Mesmer. Composé d'un rouge vif, de noir mais aussi de doré, c'est un feu que nous n'avons encore jamais clairement vu auparavant, permettant en outre à Mesmer de conjurer des serpents enflammés. Durant les différents plans qui nous sont présentés de ce carnage, on retiendra ce protagoniste de dos transpercé de toutes parts et qui semblait peut-être fuir la bataille. Quelqu'un que je vois très bien comme un dirigeant à la vue de sa stature et de sa longue cape. Outre le plan de caméra centré sur lui qui pointe bien son importance. Dans la même réflexion, nous avons cette femme agenouillée en plein cœur de la cité enflammée. Elle aussi porte une longue cape, cette fois totalement embrasée, qui pourrait aussi signifier un rôle important au sein de cette ville. Elle tient entre ses mains un objet qu'il est difficile de reconnaître. J'aurais tendance à y voir un étendard, mais vraiment impossible d'en être certain. Il me paraît d'ailleurs des plus étranges de la trouver là, pieds nus et sans défense, sans que personne ne vienne s'occuper d'elle malgré les soldats bien visibles tout autour. Assurément, nous aurons des nouvelles de cette mystérieuse femme dont l'identité et même le rôle pourraient bien nous surprendre. Aujourd'hui, en se référant à son ancienne localisation, nous pouvons constater que de nouvelles structures ont été érigées à l'endroit même de cette purge, avec ce qui ressemble au centre à un réceptacle, permettant peut-être de récupérer le flux doré qui s'écoule de cet arbre noirci. Maintenant que nous avons fait le tour des principaux éléments ou idées qui ont été soulevés par la communauté d'Elden Ring ou par moi-même, il faut que l'on revienne sur la scène d'ouverture. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi la majorité des gens acceptent juste que ce soit Marika que l'on voit. J'ai déjà souligné ce corps masculin et l'incohérence d'un tel visuel par rapport aux représentations connues de celle-ci. Mais poussons juste la réflexion un peu plus loin. Il a été répété maintes fois que l'ascension de Marika à la divinité s'accompagne de la naissance de l'arbre-monde, et nous assistons enfin en partie à cet événement. Pourquoi donc s'embêter à alimenter le doute pour quelque chose qui est censé être dévoilé et accepté? Les bijoux de Marika, mais le corps d'un homme. Une longue chevelure blonde, mais qui tire dans le rouge. Je suis même parti vérifier les couleurs moi-même, on tire en réalité de l'orange vers le rouge, dans une zone très restreinte. Mais encore une fois, la luminosité de la scène laisse planer le doute. Il n'y a rien pour pleinement confirmer que ça soit Marika. Ne serait-ce qu'un plan sur un vrai blond ou de vrais attributs féminins. Et tout ceci est évidemment volontaire. Ce que j'en pense au final, c'est que l'on voit tout simplement Radagon. Parce que d'une part, c'est ce qui me paraît le plus cohérent avec ce que je vois et cette volonté de brouiller les pistes. Et d'autre part, cela rejoint une idée qui trotte dans ma tête depuis un certain temps. J'ai en effet cette intuition que le vrai protagoniste principal de toute cette histoire, ce n'est pas Marika, mais bel et bien son alter ego masculin. Lui qui serait à l'origine de tout, et Marika qui pourrait n'être qu'un pion qui se serait finalement rebellé au fil du temps. Je vais vous exposer ici tout un cheminement de pensée qui m'est totalement personnel, donc ne prenez pas ce que je dis pour des faits, gardez simplement l'esprit ouvert comme d'habitude. Nous avons tendance en tant que joueurs à simplement accepter ce qui nous est présenté, parce que le jeu est censé nous expliquer son histoire et le déroulement des événements. Il n'y a aucune raison de remettre tout ça en question. Sauf que lorsque l'on commence à le faire, que l'on commence à se poser les bonnes questions, les limites du récit qui nous est présenté finissent par apparaître. Pourquoi Marika souhaite devenir une déesse? Pourquoi le ferait-elle sur la base d'une trahison? Pourquoi se donner autant de peine pour mener un culte sous la tutelle de la volonté suprême? Pourquoi superviser différents conflits d'envergure consistant à éradiquer des populations entières? Pourquoi bannir son propre mari pour en épouser officiellement un autre? Pourquoi briser le cercle d'Elden? Bien que l'on manque évidemment d'éléments la concernant, la plupart de ces questions trouvent une réponse toute simple et sans réelle consistance. La soif de pouvoir, l'égocentrisme, la manipulation, ou encore l'absence de scrupules. Oui, certes, mais pourquoi? Quelle est la psychologie derrière qui peut justifier tout cela? On ne peut pas répondre à cette question, par ignorance peut-être, ou juste parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que le seul qui pourrait finalement justifier tout ceci, c'est Radagon. Radagon qui est celui qui s'est lancé dans une quête de perfection. Tous les géants possèdent une crinière écarlate, et on raconte que Radagon détestait sa propre chevelure rousse. Radagon étudia la sorcellerie lorsqu'il était marié à Renala, puis les incantations après son union avec la reine Marika. Preuve s'il en fait que ce héros aspirait à la perfection. En anglais, on parle même d'aspirer à être complet.
En deux descriptions, vous avez les fondements même de toute la psychologie de Radagon. C'est un être qui rejette ses propres origines, complexé par l'image que ses cheveux renvoient, et qui ne se sent pas entier. Il y a un manque, ce qui se traduit finalement par le besoin d'exister auprès des autres, de prouver des choses, de s'élever au-dessus des gens. C'est de la psychologie toute bête, mais c'est littéralement ce que cela exprime. Concernant ses origines, nous avons tous eu tendance naturellement à le voir comme un descendant direct des géants de feu, ce qui est sûrement le cas, mais je pense qu'il faut remonter encore plus loin dans son ascendance. Radagon semble surtout avoir des origines propres au creuset primordial, car sa chevelure rougeoyante n'est pas que l'apanage des géants de feu. Vous retrouvez aussi cet aspect sur les petites chimères, mais aussi sur les chimères léonines, qui d'ailleurs de mémoire sont ou étaient nommées enfants de Radagon dans les fichiers du jeu, et dont l'une possède même l'espadon sacré de celui-ci. À cela, vous pouvez rajouter la sorte d'ours à cornes dans le précédent trailer, qui possède une crinière de la même couleur. Il semble aussi y avoir des têtes rousses sur les paniers géants enflammés. Radagon a également des liens très étroits avec les loups cramoisis. Tout ceci renvoie à l'époque primitive et animale du creuset primordial. On peut encore aller plus loin et dire que cette couleur fait écho au creuset primordial. Cette couleur qu'il déteste tant, symbole d'une époque chaotique et dépassée, et qui sera finalement opposée à l'or, symbole de pureté. Ces quelques éléments donnent un but à Radagon. Il recherche la perfection, synonyme d'une quête de toute une vie. Cela lui donne une vraie raison d'aspirer à la divinité, et cela implique en retour de ne faire aucune concession pour y parvenir. Séduction, trahison, éradication. Même sa lignée d'empyréens va en ce sens, elle vise la pureté, un être parfait capable de gouverner. Certains ont même fait le lien avec la pierre philosophale, qui serait ce qu'il tente d'atteindre envers et contre tout, l'alchimie étant un thème prédominant dans Elden Ring. Voilà ce qu'est Radagon, une personne prête à tout pour s'élever de sa condition initiale, lancée dans une mission existentielle pour se sentir enfin complet, pleinement lui, qu'importe comment et qu'importe les sacrifices pour y parvenir. C'est bien Radagon qui se marie à Renala pour apprendre la magie pour son propre compte. Marika n'y gagne personnellement absolument rien au final. C'est bien lui entre les deux qui est le plus fidèle à l'Ordre d'Or, là où Marika finira par tout remettre en question. Elle le dénigre d'ailleurs dans cette foi aveugle. Aveuglée par sa soif finalement de perfection, car l'Ordre d'Or est le synonyme même de perfection dans Elden Ring. Le culte n'a cessé d'évoluer en ce sens depuis ses débuts, marquant le rejet des créatures qui renvoient finalement aux origines mêmes de Radagon. À la fin, c'est aussi lui qui bloque l'accès à l'arbre-monde avec des épines impénétrables. Nous pouvons en effet voir que c'est sa propre rune qui est inscrite sur la porte. Et une fois que nous y pénétrons enfin, nous attendons sûrement un affrontement ou quelque chose d'impactant avec Marika qui nous a été vendu durant tout le jeu et même depuis le trailer de 2019, c'est finalement le champion Radagon qui nous fait face. C'est ainsi qu'avec une légère pointe de déception et d'incompréhension que nous avons affronté celui qui n'était finalement pour nous qu'un héros inconnu au sein de brefs récits contradictoires et sans réel sens. Des histoires que l'on pouvait d'ailleurs totalement louper durant notre aventure, là où Marika a toujours été présente d'une manière ou d'une autre. Finalement, dans cette amertume de ne pas avoir confronté directement Marika, nous n'avons peut-être pas compris que nous avions bel et bien le réel protagoniste principal devant nous. Mais du coup, la question qui se pose, c'est que faire de Marika dans toute cette logique ? Je vais sûrement aller un peu trop loin dans ma réflexion, mais on peut imaginer que Radagon a créé Marika durant cette scène d'ouverture. Je vous avoue que je ne sais même pas ce que j'entends par créer, mais comprenez juste que son alter ego féminin est peut-être apparu à ce moment-là, lui qui semble former devant nos yeux la rune même de Marika. L'idée que Marika naîtrait « entre guillemets » à ce moment-là pourrait aussi expliquer pourquoi on nous répète sans arrêt que le royaume des ombres est l'endroit où elle est apparue pour la première fois. Ça pourrait totalement être littéral, ça serait autant le moment de sa naissance que son accès au statut de divinité. On rappelle aussi qu'il faut une empyrène pour porter le cercle d'Elden. Il ne faut pas oublier que tout cela se fait sous la direction de forces divines supérieures. C'est peut-être même Radagon qui conclut une sorte de pacte avec la volonté suprême, sous réserve qu'elle-même existe bien. C'est aussi un sujet qui me laisse très perplexe. Mais là, on part bien trop loin dans les spéculations. Je vais juste revenir sur cette fracture du cercle d'Elden et les fameux fils que l'on voit accrochés au marteau. Tout le monde s'accorde donc à dire qu'ils ne peuvent venir que du cercle d'Elden puisque le marteau entre clairement en contact avec.
mais nous savons que ce cercle est dans le corps de Marika. Donc pourquoi ces fils ne seraient pas plutôt l'essence même de son propre corps? Surtout quand on voit à de multiples reprises que le cercle se brise en morceaux ou en éclats, et qu'à aucun moment nous n'avons un qualificatif se référant à une structure filaire. Je sais bien que l'on voit Marika taper sur quelque chose, et pas sur elle-même. Mais j'ai toujours trouvé cela étrange comme représentation, puisque comme je l'ai dit, le cercle d'Elden est dans son propre corps. Et nous voyons d'ailleurs très bien que ce corps subit des dommages à chaque impact. Marika et le cercle sont en symbiose, donc les fils pourraient tout aussi bien se référer à elle. Ce qui m'amène sur un tout dernier détail concernant Radagon. Il est dit que Marika brise le cercle d'Elden, et que ce dernier le répare. Déjà, le réparer avec un marteau me laisse sceptique. Mais surtout, expliquez-moi pourquoi on voit leur corps continuer de se briser quand Radagon répare soi-disant le cercle d'Elden. Est-ce que celui-ci, finalement, le répare vraiment? Un marteau qui d'ailleurs est étroitement rattaché à Marika, mais qui reste globalement un type d'arme étroitement lié au géant et à la notion de forge. Radagon étant lui-même un de leurs descendants et qui a aussi reforgé l'espadon de Rennala. Celui qui brandit également étonnamment bien ce marteau lorsqu'il nous affronte. On se demande donc à qui appartenait initialement cet instrument. J'en ai assez dit, je vous laisse sur ces dernières réflexions. Voilà qui conclut cette nouvelle analyse du story trailer d'Elden Ring. Comme toujours, merci à tous ceux qui ont pris la peine de décortiquer cette bande-annonce qui nous a tous mis, au-delà même du contenu, une sacrée claque visuelle. Pour ma part, je suis content d'avoir pu vous faire cette vidéo et surtout part de ma théorie sur Radagon. Même si j'ai conscience que je suis allé un peu loin, c'est quelque chose que j'avais besoin et envie de vous partager. L'avenir nous dira si j'ai vu juste ou non. Je souhaiterais pour finir vous renvoyer vers une autre analyse venant une nouvelle fois du YouTuber GamePlus, qui cette fois fait un parallèle complet avec Berserk. Je n'ai repris aucun élément ici pour ne pas vous spoiler le manga ni même m'accaparer son propre travail de réflexion, mais le contenu de la vidéo est vraiment au top. Donc si vous voulez avoir une autre perception cohérente de ce story trailer, je vous invite très vivement à aller voir son contenu. Sur ce, de notre côté, on se retrouve très bientôt pour la grosse vidéo pré-DLC. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.